Voilà, salut tout le monde, du coup c'est Atto, re pour les gens du live, on est toujours sur FF14, on est toujours sur Shadowbringers, et donc surtout, et bien sûr, ces nouveaux contenus de la mise à jour 5.4, à savoir donc les nouveaux étages de Eden, qui est ce fameux raid dans lequel on a plusieurs boss, et notamment, et bien ici, un deuxième boss qui est juste tellement vénère, mais tellement cool. Le premier était un peu en colère, on va voir celui-ci, on va lancer ça. Et oui, la décision terrible, effectivement, comme dit Obreline, de quel équipement pour quelle classe. Ben, je me suis pas encore décidé, hein. Je vais me décider un jour, mais là, c'est compliqué. On rappelle que c'est en partenariat avec Square Enix, bien évidemment, merci à eux. Vous avez tous les liens en description pour à la fois télécharger le jeu et jouer jusqu'au niveau 60, mais aussi le lien pour la petite offre de Noël. Une bataille vieille d'un siècle. Mais quel rapport avec les souvenirs de Gaïa? Donc là, faut comprendre qu'à chaque fois, on est effectivement sur des souvenirs, d'où les boss qui vont aussi rappeler des souvenirs et d'où la nostalgie latente derrière ces musiques. Et donc voici ce Dogo des familles qui est bien évidemment un très bel hommage à Claymore, hein, c'est ça? Allez, il n'y a pas longtemps, je vous l'ai pas dit, il n'y a pas longtemps j'ai eu un message de quelqu'un qui était genre tellement, mais tellement en colère, mais un truc de ouf. Vous savez que de temps en temps je troll un petit peu quand on joue à Dark Souls notamment, en disant oh là là mais quel bel hommage à Claymore et tout ça, parce qu'évidemment c'est Berserk en fait. Mais je cite Claymore parce que je sais que ça trigger un peu les gens. Et alors là, mais la team premier degré a répondu, mais pas présent, genre a répondu, j'habite ici quoi. Genre vraiment, mais incroyable. Avec un message, mais tellement salé en mode, mais c'est n'importe quoi, mais comment est-ce que tu oses dire une chose pareille, Claymore qui est un manga de seconde zone? Comment ne pas reconnaître Berserk qui est ce chef-d'œuvre injustement méconnu? Et comme ça, il dit mais vraiment quitte à parler de manga, mais autant juste ferme ta gueule en fait si tu connais rien à toi. Enfin vraiment, le mec, mais genre, mais énervé. C'était trop drôle. Et genre en fait, c'était un message qui faisait peut-être 20 lignes sur YouTube, il n'y avait pas un point, pas une virgule. Et merde, pas une virgule, le truc il était tellement colère, c'était incroyable. Et puis ouais, évidemment, comme toujours, hein, c'est ce petit mangaka, hein, Miura, qui effectivement manque un peu de reconnaissance, hein, c'est connu. Ah, attendez, là c'est le jeu. Alors le pattern est trop bien, regardez. Donc là c'est lui, d'accord? Et là faut suivre. Il est là. 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 Go. Vite. Tout le monde derrière lui. Voilà. J'aime bien ce pattern, il est rigolo. Le boss d'après, c'est mon boss préféré, je vous le dis. Il est ouf. Ça fait mal. Bon, je vais essayer d'être vigilant. Allez. Occupé à jouer à des jeux d'idol, exactement. Non, mais alors ça, c'est... Ouais, c'est le running gag, mais tout le monde ne le sait pas, ça, par contre. Effectivement, la personne qui dessine Berserk, en fait, s'est découvert une passion incroyable. C'est quoi, c'est un gacha ou c'est juste un jeu ou quoi? Je sais même plus ce que c'est, d'ailleurs, le truc auquel il joue. Mais en gros, il passe sa vie dans les salles, quoi. Il a complètement rage quit. En même temps, vu la pression que ça doit être, quand tu vois que chaque page, c'est un tableau, le machin, il y a un moment, je comprends qu'il craque, quoi. Un peu comme MV, hein. Vous attendez de MV des lives où il est en forme, mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que moi, je vois, hein, sur Discord, NoxPlayer, là, qui est tout le temps activé, où en fait, genre, toute sa journée, elle est rythmée, j'ai l'impression, par Romancing Saga. C'est drôle. Le gacha. Ah oui, c'est Idolmaster, bah oui, c'est ça, évidemment, oui. Oui, oui. Ah là 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 là. Mais ouais. Attention. Mais le pire, c'est qu'il en viendrait presque à me chauffer à son jeu. Parce que du coup, j'ai regardé, ça a l'air cool en plus. Ça a l'air diabolique. Ah, attention.
Ah, j'espère qu'il est pas en addiction financière, quoi. Ça, c'est l'autre problème des gachas, après. Allez. Ouais, en plus, là, il y a eu un remaster qui est sorti de Romancing Saga, je crois. Un jour, on aura peut-être le retour de Saga Frontier 2, hein, qui sait. Mais il n'y a pas un remake de Saga Frontier 1, justement? Je sais plus s'il est bien, le jeu. Le 2, je sais que je l'avais vraiment bien entamé, j'avais adoré, mais c'était une époque si vieille. C'était l'époque Legend of Dragoon et compagnie, quoi, donc... Alors, attendez, le lien, il est là, c'est lui qu'on suit, d'accord? Il y a trop de jeux, on est d'accord. Là, 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 ok. Merde. J'ai pris tellement cher. Je l'ai pas vu venir. Ah oui, c'est les Final Fantasy Legends qui viennent de sortir. D'accord. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Ah mais là, il y a trop de jeux. Hein. Il y a Dicey Dungeons qui sort aujourd'hui sur Switch, d'ailleurs. Mercredi. Oh là là, j'ai pris tellement cher. Oh non, mais non! Quel enfer! Il m'a fait contre Kems! J'ai tellement pas vu venir le deuxième! Bon, désolé l'équipe, hein. Bon, au pire, on a une transcendance bientôt niveau 3 qui arrive pour les heals, si jamais c'est nécessaire. Et ouais, dommage. Oh, ne me raisez pas! Yes. J'ai plus de temps. Été 2021, d'accord, ok. Et bah vivement. Oh là, attention. Yes. Allez, 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 allez. Ah. Sur celui-là. Ok, là j'ai fait un petit burst sympa à côté des gars. Pour une fois, j'arrive à faire quelque chose. Donc le burst, hein, c'est un peu l'idée de claquer tout ce qu'on a en compétences d'attaque, par exemple, pour faire un gros gros massacre. Non, j'avais pas vu. Bon, c'est bon, j'ai pu au moins éviter le deuxième. C'est toujours ça de prix. Allez. Ah merde, les heals, j'avais pas vu. Ah merde. Et là on a pas la transcendance, hein. Ah oui, donc là faut vraiment rien se prendre comme dégâts. Ah bah c'est foutu. Ça va être chaud. Ça va être chaud. T'inquiète, Moontag, y'a pas de soucis. Après, ça peut se passer, hein. Sur un malentendu. Il faudrait que quelqu'un puisse soigner, quoi. Non, j'ai oublié. Ah, c'est bon. Allez, on reste collé au cul. Ouais, là, c'est fini pour moi. Il reste des DPS ou pas? Ouais. Au pire, ils peuvent claquer une transcendance. Si jamais ils le tombent, c'est quand même vraiment, vraiment balèze. Hein. Allez, non! Oh putain.
Oh là là! Non, Liara! Ah! Il ne reste plus que deux personnes! Saphira envoie tout! Ah, Saphira, c'est chaud là. Ouais, même avec ça, il prend une patate, mais. Ah, c'est dommage, c'est dommage! On y a cru! J'avoue que j'y ai cru. Coucou Misha. C'est pas de ma faute, c'est Lille qui sont morts. Bon, après, peut-être qu'ils vont réussir à solo, hein, mais. Va falloir bien se soigner, quoi. Oula. Là, ça va être très chaud, par contre. Là, sur cette mécanique là, je crois que si t'es pas deux, c'est compliqué. Ouais, non, c'est fini. Et voilà. C'est dommage. C'est dommage. Bon, bah au moins vous avez la mécanique du boss en tête, c'est pas très grave. Et ouais, avant on pouvait en tant que bard faire la limit break, mais maintenant c'est plus possible, c'est dommage. Allez, ça va se passer. Donc là, on se remet bien dedans. Bon, ce qui est bien, c'est que là, vu que vous avez un peu vu le boss, moi, de mon côté, je peux peut-être un peu plus focus sur les patterns et surtout, là, je l'ai bien en tête au niveau des déplacements surtout. Mais c'est vrai qu'il est un peu énervé, ce boss, sur le départ, parce qu'il faut vraiment se mettre dans ce mood de déplacement un peu à outrance où il va faire une attaque qui va claquer quand même une moitié d'arène. Et il faut vraiment être près de lui, encore une fois, pour pouvoir anticiper ces trucs-là. La distance, c'est ton ennemi, en fait, là, vraiment. Vous voyez là comme ça, j'ai juste à me décaler un tout petit peu. Là j'ai fait le truc shonen. Oh putain d'ailleurs en parlant de ça. Incroyable et pourtant vrai. J'ai commencé Kimetsu no Yaiba. J'avais jamais eu l'occasion de ni les lire ni les voir. Et là ça y est. Pris de mon abonnement Wakanim pour SNK. J'ai fait aller. Il est temps. Oh là. En animé. J'ai vu qu'il y avait deux saisons sur Wakanim, j'imagine que ça couvre pas du tout le manga. Mais l'anime a l'air propre de ouf en fait, donc ça me donne très envie de suivre en animé comme pour SNK. Ah, attendez, on regarde bien les bons liens. Donc là, lui, il est là. Oui, IQ, t'inquiète, je connais, c'est très bien aussi, ouais. IQ, j'avais commencé pour l'amour de l'animation et des mangas de sport. Il faudrait que je termine parce que j'ai pas fini par contre pour IQ. Attention. Bon, là, vous voyez qu'on est déterminé hein, sur le boss, ça déconne zéro. Attendez, j'essaie de rester dans la mécanique du boss quand même. Voilà. Bon, vous voyez que là, ça se passe mieux quand même. Merde. Karma. Ok. Kyakune. Oui, non, mais avec Kyu, je vous dis, j'ai pas fini, mais je finirai. Mais ouais, du coup, Kimetsu no Yaiba, je suis surpris parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et en fait, c'est vraiment très agréable au niveau de l'univers. Je trouve ça génial en fait. Alors, j'aime pas trop le délire des démons parce qu'il y a un peu le côté. C'est bon, on en a déjà vu tellement des histoires de ça. Mais par contre, je trouve que le skin du perso principal est vraiment très très cool. Et même, je sais pas, le départ un petit peu en mode épopée, en duo et tout ça avec sa sœur et tout. Je sais pas, il y a un truc assez cool. Et du coup, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Après, évidemment, les animes de combat, laisse tomber quoi. Le lancer de hache légendaire.
Bah, dès le départ, ça, tu sens que ça pose les bases d'un truc qui va être très solide par la suite, donc c'est super agréable. Donc j'attends de voir comment ça va devenir. Ça me rappelle un petit peu, dans une certaine mesure, le départ de Samurai Deeper Kyo en manga, c'est assez rigolo. En manga, je dis bien, parce que l'anime est horrible. Hop. Bon, j'ai du mal à faire mes cycles, mais par contre, au moins, il n'y a pas de mort, quoi. Il y a un heal qui est tombé, par contre, c'était Moontag. C'est pas très grave. Allez, midlife. Dororo, c'est quoi? C'est Doro et Doro ou c'est juste Dororo? Parce que je sais pas de quoi vous parlez, du coup. Alors là, il est 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 là. Là-bas. Merde. Chaque fois, j'oublie ce truc, hein. Oh là, attention. Ok. Ça va bien se passer. Ah oui, d'accord, Dororo, c'est un truc de Tezuka qui a été refait, d'accord, ok. Ouais. Bon, on verra. De toute façon, là, je suis dans ma période, du coup, SNK et Demon Slayer. Et c'est cool. Mais alors, la fin de saison 2, ça se termine à quel tome? Parce que là, vous me faites peur avec ces histoires. Enfin, quel tome sur combien? Moi, j'espère tellement qu'on aura un jour un animé qui va refaire Akira. Je pense que ça arrivera un jour, hein. Mais vraiment, refaire Akira en mode méga vénère, ce serait assez dingue. Parce que le film, en plus, ne couvre que très très peu du manga original. Donc il y a un vrai terrain, quoi, pour refaire un animé propre avec les moyens d'aujourd'hui. Je pense que du coup, beaucoup de gens découvriraient Akira comme ça et beaucoup de gens ne sont pas prêts. Ah, c'est une saison divisée en deux parties et c'est chapitre 52 sur 202, d'accord, ok, ça marche. Ok, ah oui, donc il reste encore un gros morceau, quoi. Donc là, vous voyez, il faut rester bien près de lui encore une fois. Il a fait l'attaque dans un sens, il l'a fait dans l'autre, on se décale. Je crois que je la prends quand même. Non, c'est bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont découvrir un Shaman King aussi bientôt. Ça, c'est incroyable. Préparez-vous pour la fin. Vous êtes pas prêts pour la fin. Mais ouais, ouais, vraiment, ça, c'est fou. On vit dans une époque quand même. Fly à la télé. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je peux plus... Qu'est-ce qui se passe? Ok, non, c'est bon. Ça, c'est le PC, il m'a dit, parle pas mal de Fly, s'il te plaît. Mais ce boss est tellement long, c'est tellement l'endurance, c'est terrible. Merde, j'ai pas regardé. Au pif, j'irai à gauche. Oh! Le pif gagnant. Allez. Alors, je veux pas être mauvaise langue, mais je crois que je suis pas tombé dans tout le combat, là. Hein.
Est-ce que je suis mort dans ce trail? J'ai l'impression que c'est beau là ce qui est en train de se passer. Je vais mériter mon bijou. Et merde. Je suis mort à la dernière seconde. Je suis mort à la dernière seconde. Je suis dégoûté. We Fly, c'est le meilleur shonen Subternade. Ah là 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 là. Terrible. En toute objectivité, évidemment. Aïe aïe aïe. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Est-ce que quelqu'un peut me rester, s'il vous plaît? Super. Le karma, toujours, exactement, ouais. Alors, diadème. Oh, 98. Comment sa carrière? Waouh. Alors. Voilà. Allez, salut. Courage, Moontek, tu t'es bien démerdé. Bon, bah écoutez, voilà, on l'a fait. Donc là, encore une fois, donc troisième pièce d'équipement au niveau 510 débloquée. Est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? Je ne sais pas encore, je veux mon mage blanc et je vais me décider un jour, je ne sais pas, on verra bien. Toujours est-il que pour les gens qui voient ça en VOD, bon c'était éprouvant mais ça y est c'est fait, on l'a fait, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir suivi ça. Pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas, je reviens dans un instant bien sûr pour la suite de ces combats de l'Eden. Bye tout le monde et à la prochaine, bye.